Et voilà la suite et la fin de la couture des feuilles. Et je vous ai montré ici et l'autre côté de la feuille dans une précédente vidéo. Et je vous montre ici la fin au bout, comme là. La fin du début, qui était le début des feuilles. La petite couture. Les feuilles de l'ananas. Alors, quand j'ai fini mon avant-dernière maille bride normale, tout au long de la feuille, je termine par des petites mailles serrées. Donc, je termine ma maille bride. Et il doit me rester 3 mailles brides. Une. Et 3 dans la dernière maille. Donc la dernière maille bride à la fin du rang. Et puis dans le tournant, il restera 3 petites mailles serrées, comme ici entre les mailles. Entre chaque feuille, mais qu'on travaille en maille bride. Voilà, donc je travaille tout mon rang à partir de la pointe, donc une maille coulée, une maille bride pas terminée, toutes des mailles brides normales. Et puis la dernière maille du rang, je crée ma dernière maille bride normale et mes 3 petites mailles serrées, comme ici. Comme le début, ici. Les 3 petites mailles serrées et la maille bride. Au début et à la fin du rang. Et voilà, mes 11 feuilles sont terminées sur cette couture.